Dans ces dépôts vides, les femmes commerçantes sont passées très tôt le matin et emporté quasi-totalité des sacs de braise. Les mamans qui s'exercent dans le petit commerce de braise ne sont pas insensées. Ce petit métier leur permet de payer les frais de scolarité de leurs enfants, le loyer et autres frais de santé. Dans l'autre dépôt, plein de marchandises, ces femmes se plaignent. Cette affaire jadis florissante ne paye plus les taxes et autres tracasseries continuent à l'air d'éminir. Outre les calvaires qui leur attend à l'écoulement de cette marchandise à Kinshasa, ramener le braise de l'intérieur de la ville constitue un autre cauchemar. De Bandundu à Kinshasa, il faut braver plusieurs barrières. Leur souhait est qu'ils soient autorisés de payer leurs taxes à la banque. Commune de Ngiringiri, grenier de braise, doit être sécurisée contre les bandits, badauds et autres enfants de la rue. Les femmes demandent aussi à l'État de leur venir en aide et qui soulage la souffrance de la population dans une ville où les délestages occupent 90%.